Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel unboxing. Aujourd'hui, on a une boîte donc de 1978, la première version. Donc c'est un chariot, donc une charrette qui est tirée par des bœufs avec des bœufs ou avec des animaux derrière. Il y a une vache, il y a plein de trucs comme ça. Donc la ref 3503. Allez, on va passer à l'unboxing. Donc, alors on a un personnage, les animaux, ah il y a deux personnages, hop, et on a la charrette, hop, avec les roues, ça faut bien le sortir, hop, c'est la fin de mettre dedans, donc hop. Donc on a les roues de la charrette, une brouette, avec un personnage, les animaux qui vont avec, donc tirés par des bœufs, il y a des vaches, normalement, ouais c'est ça, c'est des vaches. Je vais tout sortir et je pense qu'on va faire une petite ellipse pour pouvoir tout monter. Donc on a deux bœufs qui tirent une petite charrette. Ça je peux pas trop le bouger, donc normalement on voit. Donc ça, ça slip dedans, ça avec ça là. Donc on en a deux. On a une petite fermière un peu qui ressemble à la crémière de la pub là. On a donc la petite charrette, enfin la petite charrette, la petite brouette avec le truc pour ramasser les feuilles. On a encore un bœuf et puis surtout le petit, ça doit être un veau ça, j'imagine que c'est un veau. On a le conducteur de la charrette et une faux. Donc après la charrette est plutôt bien faite. C'est du bois quoi. C'est deux échelles en fait qui sont posées là. Ça se voit, ce sont des échelles. Il doit y avoir un autre truc. Ça a déjà dû être utilisé pour un truc comme ça. Je crois qu'on va regarder la boîte, mais avant, hop, il y a non seulement le cocher. Enfin, du coup, oui, il s'appelle comme ça aussi le cocher. Du coup, on a une petite lanterne. On devrait voir normalement. Elle est plutôt pas mal. Donc réaliste, pareil, chromé. Hop. Un peu comme la voiture, la mini là, qu'on a unboxé il y a pas longtemps. Hop, du coup on va regarder la petite boîte. Donc on a l'image de base, comme on peut voir depuis tout à l'heure. On a une image du village. Donc comment ça ferait, donc un diaporama, hein. Enfin, un diorama, je crois que c'est ça. Un diorama. Pour voir comment la vie de Flowbill serait si on avait toutes ces boîtes là en additionné. Ça j'aime bien comme porte là. Je voudrais bien savoir ce que c'est comme maison. Si elle est disponible. Et après bon voilà, bah c'est la même photo hein, sur les autres. Ah non, ça. Une autre. Avec l'homme qui boit et qui regarde les femmes travailler. Et on a... Ouais, non, il y a quand même 2-3 gars qui travaillent aussi. Non, il y en a un. Ils sont que deux, il y en a un qui est en pause, avec une bière à la main. Il y a deux veaux qui tirent, donc là c'est le cocher. Et là, ça doit être une autre boîte, j'imagine. Avec des feuilles, etc. C'est plutôt pas mal. Hop. Je crois qu'il n'y a pas d'autre truc. Je pense qu'on va pouvoir passer... à la suite. Donc voilà, c'est l'outro de cette vidéo. Donc c'était la boîte de 1978, la REF 3503. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc c'est unboxing bien sûr, qu'on aura d'autres peut-être en lien avec celle-ci dans les mêmes années. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à partager, à commenter cette vidéo, à liker, et je sais pas si je l'ai déjà dit mais c'est pas grave.
N'hésitez pas à vous abonner et bien sûr, comme d'habitude, à mettre la cloche et bah, comme ça vous recevrez toutes les prochaines vidéos et tous les prochains unboxings, toutes les vidéos spéciales, etc. Je pense qu'il y en aura d'autres. Et sur ce, à plus tout le monde.